Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'univers de Léna, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma tête, je viens juste de me réveiller. J'ai coiffé mes cheveux, je viens de me réveiller, donc je suis un peu fatiguée et j'ai encore des cernes. Comme promis, je vous fais la vidéo que j'avais dit hier, que j'avais écrit hier dans un post sur l'espace communauté de ma chaîne YouTube. J'avais dit que je ferais une vidéo où je vous montrerai tout le maquillage que j'ai de chez Yves Rocher et autres marques. Donc c'est parti pour tout vous montrer. Voilà, salut. Go. Du coup, je vais commencer par tout ce qui est palette. Des palettes. Donc là, nous avons une palette Fashion Makeup, comme ceci. Avec le petit pinceau pour s'en mettre. Donc là, c'est du blanc, du gris jusqu'au foncé. Et cette palette-là, je l'ai eue chez un magasin qui s'appelle Maxilo, à la ville de Compiègne. Maxilo. M-A-X-X-I-L-O-T. Maxilo. C'est un magasin de déstockage, un peu comme chez Action. Il y a de tout là-bas. Maxilo. Et c'est pas cher. Voilà, donc c'est super. Je m'en suis déjà mis. Et c'est très bien. Donc si je retourne à Maxilo avec mon père, parce que mon père habite à côté de Compiègne, la ville où je suis née. Et du coup, souvent, on va faire les magasins où on va manifester. Du coup, après, on va au magasin l'après-midi. Le matin, on manifeste. Le midi, on mange au resto. Et l'après-midi, on fait les magasins. Donc, si j'ai l'occasion de retourner chez Maxilo et qu'il y a du maquillage, je reprendrai une palette, mais pas la même, évidemment. Après, j'ai trouvé ça aussi chez Maxilo à 5 €. Donc, ça peut être pour les enfants, mais ça peut être aussi pour moi, avec un petit crayon à lèvres et deux petits pinceaux pour se mettre. Deux crayons à lèvres, bleu et rouge, et deux petits pinceaux pour se mettre les paillettes. Donc c'est plus pour les enfants. Mais pourquoi pas m'en mettre aussi. Du coup ça brille, c'est plein de paillettes. Donc pourquoi pas m'en mettre aussi. Voilà. Après là je passe aux palettes de chez Action. J'ai voulu prendre... le week-end dernier, j'étais allée chez Yves Rocher. Et j'ai vu qu'ils faisaient des palettes, des petites palettes carrées avec 6 couleurs. Et c'était cher. Ma mère, elle m'a dit non. J'avais déjà pris un rouge à lèvres et des crèmes pour les mains. Donc, elle m'a dit non, t'as pris assez de choses. Et en plus, les palettes là-bas chez Yves Rocher, ça coûte cher. Et voilà. Du coup, là, à l'heure actuelle, j'ai 3 palettes de chez Action. Avec celle-là, ça fait 4 palettes. Plus le petit truc, mais on compte pas. Mais ce que j'ai de chez Action, j'ai que 3 palettes. La prochaine fois que je vais chez Action, j'y vais régulièrement. Je reprendrai d'autres palettes. Donc, go vous montrer les palettes. Donc là, c'est chez Action, comme ceci. Du coup, c'est Fab Factory 18 Color Beauty Palette Dazzling Heaven. Donc du coup, c'est la palette comme ceci, comme ça. Dazzling Heaven. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les couleurs. Donc voilà, comme ceci. Donc là, il y a le dessin. Pour savoir comment le mettre, où le mettre. Il y a une feuille plastique. C'est pour pas que ça s'abîme, c'est pour protéger. Donc je vais l'enlever pour vous. Et je la remettrai après. Voilà les couleurs. Donc moi j'utilise principalement le violet qui est là. Mais après il y a aussi d'autres couleurs que j'utilise. Mais le violet, j'aimerais bien avoir une palette qu'avec du violet. Mais je crois pas que ça existe. Il faut commander par internet sur Shein. Enfin Shine. Ou autre. Mais j'aimerais bien avoir une palette qu'avec du violet, en fait. Là, il y a un seul violet. Le mauve, en plus. Donc, voilà. Celle-là, la première de chez Action. Après, il y a celle-là. Donc, comme ceci. Et du coup, là, c'est la Golden. Comme ceci. Et là, il y a encore du violet. La même couleur que sur celle-là. Donc, voilà, comme ceci. Le violet, il est là. Comme sur celle-là. Donc je vais vous enlever. J'ai jamais enlevé le film protecteur. Donc je vous reprends quand je l'ai enlevé. Voilà ce que donnent les couleurs. Donc là il y a le même violet que dans l'autre. Et en fait le plastique j'ai eu du mal. Parce que là en fait. Là il y a un truc qui se colle ici. Il y a un truc qui se colle là. Et là c'est collé. Donc j'en ai bavé pour l'enlever. Désolée j'ai peut-être pas les mains assez très propres. Hein. Voilà. Pendant la vidéo, j'aurais pas envie d'aller aux toilettes
Parce que j'ai pensé à aller aux toilettes avant de faire cette vidéo. Donc j'aurais pas envie d'aller aux toilettes. Parce que là, j'ai bien fait ce que je voulais faire. Enfin, j'ai fait mes besoins. Donc j'aurais pas envie d'aller aux toilettes. C'est ça qui est bien. Attendez, il faut que je replace correctement. Comme ceci. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de collant là, devant, là, il n'y a pas de collant. C'est que ici, ici et ici. Il n'y en a pas là. Donc voilà, du coup, la Heaven. La Heaven et la Golden de chez Action. Donc du coup, celles-là, elles ont la même taille. Et là, j'en ai une autre qui est beaucoup plus grande. Elle est très belle aussi. Donc je vais demander à en avoir d'autres. Enfin, je vais aller en acheter d'autres. Moi, je suis fan de ma... Avant, je ne me maquillais pas beaucoup. Là, en ayant 19 ans, j'ai envie d'être une belle jeune fille, de maigrir, donc de perdre du poids, et de plus en plus me maquiller avec des palettes. J'ai envie. Voilà, du coup, c'est celle-là. J'ai pas encore déballé le plastique. Donc, je mettrai pause pour déballer le plastique et vous montrer à l'intérieur. Ah bah, je peux quand même l'ouvrir. Du coup, c'est la palette Brasil. Elle est trop belle. By Max et More. Et à l'intérieur, vous avez un miroir. Voilà comment ça se présente. Vous avez un miroir. Là, on voit mon téléphone qui est sur ma ring light. Vous avez un miroir pour vous regarder dedans et vous mettre la palette. Donc ça, c'est trop beau. Je vais pas enlever le collant du miroir. Parce que le miroir, on le voit bien. Il y a un collant pour protéger. Donc, je vais pas l'enlever du miroir. Donc voilà, du coup les couleurs comme ça sont belles. Il y a un beau bleu là, un beau bleu, un jaune, toutes les couleurs du Brésil quoi. Du coup je me retrouve quand j'ai enlevé tout le collant autour là, pour vous montrer mieux les couleurs. Et voilà, j'ai enlevé le plastique, c'était tout simple à enlever. C'était moins dur que sur les autres palettes, comme ceci. Voilà, du coup quand j'ouvre c'est comme ça. Et ça se bloque pas à un endroit. Ça tombe tout seul comme ça. Parce que là, je crois que ça se bloque aussi. Oui, là, ça se bloque. Attendez, ma mère, elle monte, je fais pause. Voilà. Alors, du coup, je parlais de cette palette Brasil. Donc, voilà, enfin, les couleurs, je vous ai déjà montré. Ma mère, elle est montée. Donc, fallait qu'elle me m'engueule ou qu'elle me parle de quelque chose, évidemment. Voilà, du coup, j'adore ce bleu. Donc pourquoi pas l'essayer sur mes yeux. Après, est-ce que je ferai un tuto maquillage en vidéo? Pourquoi pas? Moi, quand je me maquille, je mets jamais de blush ou de fond de teint. Parce que j'en ai pas de fond de teint. Je sais même pas si j'ai du blush. Je sais même pas ce que c'est que du blush ou du fond de teint. Je connais le maquillage de base. Mascara, rouge à lèvres, palette. Les Bloody Blender, là, les éponges. J'ai plein d'éponges pour estomper. Alors que j'ai pas de blush ni de fond de teint, mais c'est pas grave. Donc mon maquillage, enfin le maquillage que je fais est simple. Je mets du mascara et du rouge à lèvres. Tout simple. Des fois, ça m'arrive de me mettre du crayon kohl sur les yeux, mais ça c'est ma mère qui me le fait. Et maintenant, je mets de la palette sur mes paupières. Voilà. Je vous montrerai ça un jour. Je sais pas quand. Mais là, en ce moment, non, c'est pas tuto maquillage, c'est autre chose. Voilà, donc j'ai fini pour les palettes. Donc là, on va passer à tout ce qui est pinceau pour se mettre du maquillage. Enfin, les pinceaux. Les rouges à lèvres, les mascaras, les éponges pour estomper. Tout ce qui est rouge à lèvres. Et puis voilà. Donc, go, c'est parti. Excusez-moi, je mets encore pause parce que là, ma mère, elle est remontée dans ma chambre et elle est en train de faire mon lit parce que j'ai taché mon lit. J'ai eu mes règles et j'ai taché mon lit. Donc, je remets pause et je vous reprends après quand tout est fini. Et aussi, entre parenthèses, là, ma mère, elle est toujours à côté. Je vais lui donner un coup de main, évidemment. Et du coup, là, je montre tout le maquillage que j'ai, mais c'est pas pour me vanter, c'est pour vous montrer ce que j'ai. Et pour que vous ayez envie d'acheter la même chose que moi, chez Action par exemple. Quand je montre tout ce que j'ai, une collection ou des super trucs, c'est pas pour me vanter ou mes cadeaux d'anniversaire ou de Noël, c'est pas pour vous dire oh ben moi j'ai eu ça et pas vous, nananère. Ben non,
Quand je montre mon maquillage, tous les écrans que j'ai, tout ce que je collectionne comme figurine pop, tout ce que j'ai comme cadeau d'anniversaire ou de Noël, c'est jamais pour me vanter. C'est juste pour vous donner des idées ou vous montrer ce que j'ai pour que vous puissiez acheter la même chose si ça vous intéresse, pour vous donner des idées. Je me vante jamais. Jamais je me vante. Donc là, pour l'autre partie maquillage, démaquilleur, les éponges, les pinceaux, le gloss qui fait rouge à lèvres aussi, rouge à lèvres, mascara. Donc là, d'abord, je vais vous montrer tout ce qui est de chez Yves Rocher et après ce qui est pas de chez Yves Rocher, d'une autre marque. Donc voilà. Donc là, je reviens, je vais aider ma mère. Salut. Voilà, donc désolée, mais ma mère là, elle m'a encore fait que de me parler, de m'engueuler parce que j'ai sali mon lit, enfin le draousse et la couette. Évidemment! Du coup, là, ma mère, elle m'a tout changé. Je l'ai aidée, hein. Enfin, on a tout changé à deux. Ceux qui veulent savoir ce que je mange ce midi. Du coup, on est jeudi. On est mercredi 24 mai. Cet après-midi, ma mère, elle va faire une activité toute seule. Elle a besoin. Et pendant 1 heure et demie, du coup, je ferai un live sur YouTube cet après-midi. Et du coup, ce midi, je mange hot dog. Ma mère, elle va encore faire des lasso. Ma mère, elle m'a cuit des saucisses hier. Et elle me les fera enfin, là ce matin. Et là, je vais manger une saucisse et demie avec une baguette de pain en forme de hot dog et du ketchup, évidemment. Voilà, du coup, go passer aux autres maquillages. Les pinceaux, les rouges à lèvres, les mascaras, gloss et rouge à lèvres, des maquilleurs et les éponges. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne là-dedans. Voilà toutes mes éponges. Là, il y a encore des éponges derrière. Et voilà. Donc là, le rangement à maquillage vient de chez Action. Du coup, il est bleu, bleu cristal. Il est beau. Et j'en ai un autre qui est dans ma salle de bain. Mais j'ai pas pu l'amener parce qu'il y a plein de choses dedans. C'était lourd. Il est blanc, blanc transparent, classique. Et c'est le même. Lui, il est bleu cristal. Voilà. Et l'autre il est bleu, et l'autre il est blanc transparent. J'ai le même. Voilà, à tout de suite, je ramasse l'éponge qui est tombée. Voilà, donc là je vais vous montrer mes éponges. Donc celle-là c'est une éponge comme ça, rose pâle ou orange. Ouais, rose fluo. C'est marqué smile. Alors smile en anglais ça veut dire sourire. Smile. Elle vient de cette boîte-là. Avec le rangement en plastique. Smile. Celle-là, c'est marqué Joy. Joy. Ça veut dire joyeux ou content. Je sais pas en fait. Smile, je sais. Smile, Joy en bleu turquoise. Je les range dans leur boîte. Et la troisième, c'est rose pâle. C'est un cœur. Smile, Joy, cœur. Voilà. Donc, je les range dans leur boîte. Voilà. Après, j'ai celle-là aussi. Blanc et bleu turquoise. Elle va là-dedans, elle est toute seule. Excusez-moi. J'ai pas cassé. Donc là, toutes les éponges viennent de chez Action. Donc, ils en font des toutes seules. Ils en font à trois. Ils en font à trois aussi. Non, ça vient de chez Gémeaux. Du magasin Gémeaux à la caisse. Il y en a trois. Du coup, là, il y a une bleu turquoise comme ceci. Donc là, il y a une partie qui est plate. Voilà. Donc, on va ranger ça là-dedans. Désolée, ça prend du temps. Après, j'ai celle-là. Bah là, il y a eu un trait, je sais pas pourquoi. Il y a un trait. Comme s'il y avait une fissure. Bon. Un petit défaut, mais c'est pas grave. Rose classique. Donc, c'est bien pour estomper le blush quand il y en a trop. Ou le fifi. Ou le fond de teint. Et après, il y a celle-là, beige. Enfin, ou rose très pâle. Qui est plate, là. Voilà, du coup, c'est de chez Gémeaux.
Action et action. Deux actions et un gémeau. Là, il est quelle heure? Il est 11h30 du matin. Je commence à avoir faim pour manger le repas du midi, un hot dog. Demain, je suis toute seule la journée. On est jeudi car ma mère travaille. Là, j'étais pas toute seule. Hier et avant-hier, j'étais chez ma mamie. Avec ma mamie. Donc, à la maison, chez ma mère, il n'y avait personne. À part mon chat qui était dehors. Ma mère était partie travailler, mais il n'y avait personne dans la maison à ma mère. Moi, j'étais chez ma mamie. Et demain, oui, je suis toute seule, donc je ferai un live. Voilà. Donc voici, donc là, j'ai des pinceaux. Alors là, je me demande à quoi sert ce pinceau. Il est petit et tout fin. Donc si vous pouvez me dire en commentaire à quoi sert ce pinceau, s'il vous plaît. Il est petit. Je ne sais pas à quoi il sert. J'ai voulu essayer de mettre là. Est-ce que c'est pour les paupières ou pour les coins des yeux? Est-ce que c'est pour le dessous des yeux? Est-ce que c'est pour les lèvres? Donc regardez bien. Ce petit pinceau, je ne sais pas à quoi il sert. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les noms des produits à maquillage. Dites-moi à quoi sert ce pinceau et comment il s'appelle. S'il vous plaît, parce que je suis un peu nulle en maquillage. Voilà. Après, j'ai celui-là comme pinceau que j'ai trouvé chez Intermarché. Et j'en ai trouvé d'autres aussi, mais je ne sais pas où je les ai mis. Là, c'est blanc et tout le reste est rose. Et même là, blanc et rose. Voilà, donc là, c'est un noir. Il est tout doux. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et après, j'ai la version plus volumineuse. Comme ceci. Voilà. Voilà tout ce que j'ai. Donc, celui-là. Donc, c'est un petit peu gros. On va faire comme ça. Comme en éventail. Donc, j'ai le gros là, le moyen et le petit. Donc, dites-moi en commentaire à quoi sert le petit. Les autres, je sais. C'est quand on se met de la poudre pour en mettre un peu là, de la poudre. Là aussi, c'est pareil. Pour mettre là ou je sais pas, pour mettre un peu de poudre, mais je m'en sers jamais parce que j'ai pas de poudre, j'ai pas de poudre. Après j'ai ça, non, j'ai un démaquilleur, donc le même, vraiment que j'en rachète parce que j'en ai plus beaucoup. C'est le démaquilleur démaquillant Nivea, démaquillant aux yeux, double action, eau purifiée bleuet, 125 ml, tout type de peau. Donc, il faut le secouer pour qu'il soit bleu comme ça, pour s'enlever. Il faut toujours le secouer. J'en ai plus beaucoup. Donc, voilà. Il va falloir que je demande à ma mère qu'elle en rachète. Le démaquilleur Nivea. Après, j'ai. Non. On va d'abord faire tout ce qui n'est pas de chez Yves Rocher. Après, là, j'ai encore une éponge. Comme ceci. Elle est toute simple, rose comme ça. Et après, j'ai aussi une éponge comme ceci qui est en triangle. Donc de tous les côtés, elle est plate. Elle est plate de tous les côtés. Elle est un peu crade. Mais voilà quoi. Donc là, j'ai un duo gloss et rouge à lèvres. Donc là, vous avez le rouge à lèvres et le gloss. Donc, le rouge à lèvres, c'est comme ceci. Voilà, comme ça. Oula. Oh, bah, il est abîmé. Non. Il est abîmé. Voilà, donc c'est rose à paillettes. De ce côté-là, c'est le rouge à lèvres. Et de l'autre côté, c'est le gloss. Un peu d'ASMR. Et là, c'est le gloss. Donc, ça, c'est super chouette. Un duo avec le rouge à lèvres, le gloss, le rouge à lèvres et gloss. C'est ma mère qui me l'avait acheté. Après, hop, donc ça vient pas de chez Yves Rocher. Ça, c'est un rouge à lèvres que je mets régulièrement dans des vidéos, enfin dans des TikTok, des fois je le mets. Il reste que ça là, ça va pas plus haut. Je l'ai bien utilisé. À la base, il était à ma mère et ma mère, elle en voulait plus. Je l'ai déjà mis pour Noël. Il est rose paillette. Et il ne reste plus beaucoup. Donc, je pourrais en remettre, quand j'en remettrai, ce sera la dernière fois.
Non, je pourrais pas plus aller assez loin. C'est pas de chez Yves Rocher. Alors ça, c'est Docteur Pierre Rico. J'en ai eu des trucs comme ça. Un peu cassé, non? C'est comme un crayon pour le rouge à lèvres. Un rouge à lèvres en forme de crayon. J'en ai eu plein de chez Pierre Rico. Mais je sais pas où j'ai mis les autres. Alors après là, il y a celui-là. Qui vient d'une boîte de 6 rouges à lèvres. Et la boîte où je l'ai donnée à ma mamie, parce que ma mamie aime bien se maquiller, se faire belle et s'apprêter. Enfin, être belle à son âge. Et elle adore les rouges à lèvres. Du coup, je lui ai donné la boîte où il restait, enfin, où il y a tous les 5 ou 6 autres rouges à lèvres. Et moi, j'en ai gardé qu'un seul. Il est rouge comme ceci. Et il me va trop bien. Et je le mets dans des. Et je le mets quand j'ai envie de faire des TikTok maquillés. J'en mets. Du coup, c'est Max et Mort. Comme la marque. De la palette Brasil, Max est mort. C'est marqué là, Max est mort. Et là, c'est Max est mort aussi. Max, M-A-X, E-E-T, mort, M-O-R-E. Pas M-O-R-T, M-O-R-E. Mort en anglais. Max est mort. Voilà, du coup, ça, c'est de chez Action. On va passer à. Ça par contre, voilà, oui, on va passer à Yves Rocher. Voilà, du coup là, de chez Yves Rocher, j'ai un truc comme ça, là. C'est lent, lumineux, rayonnant. De chez Yves Rocher, c'est marqué en bas Yves Rocher. Et quand je l'ouvre, il y a une petite capsule. On enlève la capsule et on peut faire comme ça pour soulever. Voilà. Alors du coup, c'est comme c'est à paillettes, comme ceci. Je pense que c'est pour la joue. Je sais pas. Je pense pas, non. On va remettre la capsule. Alors, dites-moi en commentaire ce que c'est comme produit, parce que je ne sais pas. Donc, ça fait comme une poudre à paillettes. Je pense que c'est pour la joue. C'est ma mère qui m'avait fait toute une trousse à maquillage de chez Yves Rocher l'année dernière pour mon Noël. Et du coup, c'est l'enlumineur rayonnant. Alors, si quelqu'un a la même chose que moi, l'enlumineur rayonnant. En plus, il est sale. Bah, dites-moi ce que c'est le nom et à quoi il sert. Parce que j'y connais rien. Vraiment, j'y connais rien. Voilà. Alors là, on a un premier rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc, les rouges à lèvres classiques, ils sont tout noirs. Bravo. Bonjour. Prends quand j'ai ramassé le rouge à lèvres. Voilà. Donc, du coup, il y a la couleur qui est en dessous, là. Du coup, c'est rouge vintage, vertige, pardon. Nacré Pearly 61. 71, pardon. Oh, je suis fatiguée, je vais y arriver. Il est comme ça, je l'ai déjà bien utilisé. Attendez, on va faire un focus. Il est comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. Et comme je vous dis, je ne me vante pas d'avoir tout ce maquillage. Et quand je montre mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, c'est pas pour me vanter. Même mes cadeaux du Nouvel An, c'est juste pour vous dire ce que j'ai eu et vous donner des idées aussi de cadeaux à offrir ou à recevoir. Voilà, du coup, c'est rouge, vertige, nacré, pearly. Voilà. Après, on va continuer. Rouge, vertige, nacré, pearly, 73. Là, j'ai le 71. J'ai pas le 72, j'ai le 73. Lui, il est nouveau, je pense, comme ceci. Non, il n'est pas nouveau, je l'ai déjà utilisé. Donc c'est pas la même couleur. Mais voilà, il est un peu violet pailleté. Violet mauve paillette. Enfin, il est vraiment pailleté celui-là. En plus, il sent bon. Je sais pas pourquoi j'adore l'odeur de rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Là, ça, c'est un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté chez Yves Rocher. Il est trop beau, les couleurs sont magnifiques. Donc là, ça se voit que c'est marqué Yves Rocher, hein, je vous mens pas. C'est pas parce que je vais chez Yves Rocher que je suis riche. Je peux me payer quelques
Maquillage chez Yves Rocher, mais pas tout le temps. Et pas trop cher. Genre rouge à lèvres, crème pour les mains ou vernis. Mais pas trop cher non plus. Mais je suis pas riche. Oh, il est un peu beaucoup rouge celui-là. Du coup, c'est le rouge à lèvres Elixir, le 10. Satiné, satin. Made in France. Donc là, il est trop beau, il est doré. Et il est bien, bien rouge. Un peu trop même. Bien rouge. Comme ceci. Et celui-là, il est nouveau. Donc je le testerai quand j'aurai fini celui-là. Je prendrai celui-là pour faire pour mettre dans les vidéos ou pour les soirées quand je vais en soirée. Voilà. Après, il y a ça, le brillant de chez Yves Rocher. Donc la marque Yves Rocher, c'est avec le rond et la petite fleur comme ceci. Voilà. Et hop, on ouvre. Et c'est un crayon pour les lèvres. Ah, c'est comme un crayon pour les lèvres. Il y a tout ça. Voilà. Voilà la couleur. C'est un rouge à lèvres en forme de crayon pour les lèvres. Et après, bah, c'est la même chose que les rouges à lèvres. Enfin, c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est le même dessin là et là, la même, quasiment la même chose. De chez Yves Rocher aussi, c'est marqué là. Voilà. Donc là, c'est Sexy Pulp au charbon végétal, noir extrême. C'est un mascara pour les cils. Excusez-moi, on voit mon décolleté H24. C'est pénible. Donc voilà. Donc, comme ceci. Et là, je vais vous montrer. Voilà. Et quand j'en mets, c'est super bien. Et aussi, j'ai eu le mascara Métamorphose. Le mascara Métamorphose avec le bleu, le rond doré et rose. Je l'ai le Métamorphose, mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Je l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais le retrouver et je vais vous le montrer. Je fais pause. Je l'ai retrouvé. Donc, voilà le mascara Métamorphose, je vous mens pas. Avec toutes les couleurs de chez Yves Rocher. Donc celui-là, c'est celui qui vient du calendrier de l'Avent, je crois. De 2022. J'aimerais beaucoup avoir un calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Mais ça coûte un peu cher. Et à Noël dernier, ma mère ou ma mamie n'a pas voulu me le payer. Donc je demanderai à mon père, peut-être, pour Noël prochain. J'aimerais bien. Donc en fait, il était au fond de ma vanity. Et l'usine où on fabrique Yves Rocher, c'est en Bretagne, à la Gacilly. Ça se passe, enfin, l'usine, c'est la Gacilly. C'est à la Gacilly, en Bretagne. Je suis déjà passée à la Gacilly devant l'usine Yves Rocher. Donc c'est là-bas qu'ils font tous les produits de Yves Rocher, en Bretagne. La Gacilly. Voilà. Donc des fois, c'est marqué sur les produits de la Gacilly. Je crois. Bretagne, France, ou sur la carte à gratter. Moi, avec ma mère et ma mamie, on reçoit souvent des cartes à gratter de chez Yves Rocher. Moins 30% sur un produit, sur un soin, moins 50% sur un produit de beauté, moins 30% sur une crème, sur une lotion. Après, on gagne des cadeaux aussi. Et là, ma mère, elle a reçu une carte avant-hier, elle l'a grattée. Et on y retournera peut-être avec la carte bientôt. Donc il y a un délai pour la carte, de telle date à telle date. Et je crois que ça va jusqu'au 1er juin, ou même jusqu'au mois de juin, je sais pas. Donc voilà. C'est tout. Le Métamorphose. Je savais bien que je l'avais. Et j'ai conseillé à ma mère de l'acheter, qu'elle est le même que moi aussi, qu'elle l'est aussi. Du coup, bah, elle l'a acheté. Samedi dernier, à l'après-midi, à Yves Rocher. Elle l'a acheté aussi. Voilà. Comme ceci. Ça sent pas hyper fort. Mascara volume longueur courbe. Et courbe. Voilà, c'est marqué Yves Rocher, 56-201, la Gacilly. France. Gacilly. Ils ont même un site internet. Je savais pas en plus. Donc c'est cool.
Voilà le métamorphose. J'étais sûre de l'avoir. Et je l'ai. Donc voilà un peu pour tout le maquillage. Après, je vous ai pas montré le vernis. Tous les vernis que j'avais et les crèmes pour les mains que j'avais chez Yves Rocher. Mais là, je ferai vraiment une vidéo spéciale Yves Rocher. Pour montrer vraiment tout ce que j'ai chez Yves Rocher. En dehors de maquillage. Je ferai ça plus tard. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je me vante jamais de ce que j'ai. Ah, j'ai eu ça, vous l'avez pas eu. Nananananer. Moi, j'ai tout, vous, vous avez rien. Jamais je dis ça, jamais je me vante. Je montre tout ce que j'ai pour vous donner des idées à offrir en cadeau ou à avoir comme cadeau. Ça vous donne des idées. Pour ceux qui sont fans de maquillage, ça vous donne des idées. Du coup, vite fait, je vous remontre tout ce que j'ai. La palette Golden, comme ceci, de chez Action. La palette Heaven, comme ceci, de chez Action. La palette Brésil Brésil, de chez Action, avec le petit miroir. La petite palette de chez Maxilo, avec le blanc jusqu'au foncé. Et pour les enfants, un petit kit comme ça avec des éponges, des paillettes et tout ça. Après, j'ai trois éponges. Une éponge toute seule et trois éponges de chez Gémeaux. Donc Action, Action et Gémeaux. Un démaquilleur Nivea. Je sais pas ce que c'est, ça. Pinceau. Rouge à lèvres gloss. Encore des éponges. Un rouge à lèvres. Un crayon à lèvres. Un rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Mascara. Encore un crayon pour les lèvres. Celui-là, je sais pas si je l'ai montré, rouge à lèvres. Et mascara métamorphose. Voilà. Donc, je vais compter combien j'ai de trucs. 1, 2, 3, 4, 5. Les éponges, je sais pas si on les compte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. J'ai 29 choses pour le maquillage. 29 objets pour le maquillage. 29 choses. Pour le maquillage. Après, peut-être que j'ai oublié un autre truc pour le maquillage, mais je sais pas où est-ce que c'est rangé. J'ai dû le perdre, je sais pas. Je perds souvent mes affaires, où je les range pas au bon endroit, et après, je m'y retrouve plus. Je les retrouve plus. Bon, ben voilà. Donc là, je vais aller manger le repas du midi, parce que je commence à avoir faim. Il doit être midi en plus. Il est 11h52. Donc merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Likez à donf, un maximum. L'objectif des abonnés, c'est d'avoir les 100K. Mais là, je suis qu'à 17K ou encore à 16K. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir les 100 abonnés. 100K d'abonnés. Donc 100K, c'est 100 000 abonnés. La lettre K, c'est pour les 1000. 100K, 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. J'espère avoir les 100K, les 100 000 abonnés. Pour avoir un trophée YouTube. J'espère. Voilà. Voilà. Donc, merci pour le nombre d'abonnés, pour le nombre de j'aime. Merci pour les commentaires gentils. Merci au modérateur d'être là sur les lives et en dehors de bloquer les méchants commentaires. Merci à tous ceux qui viennent sur mon live et qui sont gentils, qui viennent me soutenir. Ou qui viennent me parler, me poser des questions. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera. Je vais y réfléchir et je vous le marquerai en post sur l'espace communauté de la chaîne. Voilà. Donc, gros bisous à tous. Bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit ou bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Donc, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Donc, voilà. Salut à tous, bye bye. Merci pour tout. Je vous aime, vous êtes des gens en or. Salut!